Yes. Dimanche soir, iRacing Challenge avec la Porsche 911 GT3R, la fabuleuse peinture de Robert Racing. On va la laisser rouler. On va la laisser rouler pendant un tour. C'est la session de qualif. Qualif de groupe. Puis étant donné que je suis vraiment, vraiment pas de taille dans cette ligue-là, qualif de groupe, c'est assez difficile de ne pas être des jambes de personne. Donc, c'est stressant pour rien. Bon, pas de qualif pour celle-là. Hey, quelle belle voiture, hein, quand même. Puis, Romain, c'est mon seul bon tour. Puis, en même temps, ben, sur le site, sur l'iPad, mon ami Sylvain qui est en train de streamer sa course. T'inquiète, j'ai pas passé. Même qui est en train de qualifier. Pas pour rien, j'étais pas freiné dans les fins, j'étais tout petit, un gaffe. Alors, pendant qu'on attend la fin de la qualif, on regarde ma voiture rouler sur ce fabuleux circuit de Spa-Francorchamps. Circuit où les incidents, les X, arrivent assez rapidement. Ici, si je ne me trompe pas, on a une limite de 17X ou 20X. Je pense que c'est 17. Après ça, tu as une pénalité. Je vais regarder, voir. Info. Ah, 20X. Ah, on a quand même un Fast Reaper, c'est quand même bien. Alors, mon but pour la course, ça va être au moins de le finir. Ce serait le fun de passer 45 minutes amusant quand même. Si on est capable de se batailler, ce serait bien. Sinon, ben, ça sera une course de patience et de roulage pour le finir. Et si possible, dans le même tour que les meneurs. C'est quand même une grande piste, fait que ça pourrait être faisable, mais encore là, ils sont tellement rapides. Si je me trompe pas, je pense qu'ils ont 4 secondes au tour sur moi, ou même plus. 2.16, on pourrait dire flat. Et moi, j'ai fait 2.20 et demi. Fait que c'est du rapide. Oh, monsieur Sylvain, lui. Pour l'instant, Sylvain est 34e. Avec un temps de 2.18.389. Ouais, on serait 46 sur la grille de départ, quand même. Grosse grille. Donc, il va rester à peu près une minute à qualif. On va attendre que la qualif finisse. On a fait notre pre-stop devant la course. Frétur Hervé est passé dans le stream à Sylvain. Il est passé l'autre soir à mon stream aussi. Faudrait bien que je sache qui est-ce. On va l'appeler Hervé. Frétur.
Fréture. Je sais pas, vous saviez. Fréture Airways, ça se dit drôle. Sympathique de passer, vous faire un petit tour. Bon, ben, la calife est finie. Ah, Sylvain. Bien, ça s'en vient. Setup fixe pour tout le monde. 1 minute 30 à faire. Au remaining time. Oh, j'ai bien dit ça. Remaining time. Après ça, ça va être le décompte de la course. Ah, Sylvain, 4 spectateurs, ça va bien. On n'a pas la même couleur de gourde. Moi, j'ai cette gourde-là. À la tienne, Sylvain, bonne course. Ça donne en même temps que la toune. Bon, il va avoir du monde là-dessus. Eh, bah, boy, hein? Hein? Hey, ça va grider ici, ça va être beau. Belle grille de départ. D'après moi, on fait pas un tour complet là pour la pince là. C'est pas marqué. Hein? Bonsoir, c'est ça. Bienvenue à cette dixième épreuve de la saison de Racing Challenge présentée par Apex V2R. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben d'abord, soyez prudents. Essayez d'être tranquille sur le premier tour, les plus sont faites en plus. Fait que, c'est ça, faites attention. Puis, oh, grosse grille. Et le départ est donné à la le long de la ligne droite de la ligne VIP. Bon, on check ça. C'est ça. Bonne course. On va l'enlever. On va baisser le gaz. Follow car number 12 in the right column. Puis, on va peut-être changer les pneus. On verra.
je pourrais décocher, sinon ça va être... Il fait longtemps que je n'ai pas gossé après ça. Bon, le départ va se donner dans pas long. Même qu'eux autres sont quasiment rendus là. Oh, on va être patient, hein? There's an incident in the chicane. Départ assez propre, juste Laurent qui a sacré le camp, on sait pas trop pourquoi. Well done, Dan. Good start. Yellow flag. There's an incident in Camel. Whoa. Hey, boy, on va. Oh. I think P6 has been to in Lake Coombe. Oh! Oh boy! Oh, Jacques. J'ai rien à faire, en tout cas. C'est de quoi, c'est un netcode là, mais c'est pas mal plus que Jacques était parti en perdition avant que je passe à côté. Monsieur Donald en avant, qui fait de fabuleux textes d'après-course. Wow! Il
faut pas regarder le char en avant, il faut regarder. Eh boy. Je me suis fait hypnotiser par l'auto. Il y en a qui passent vraiment plus vite que moi. C'est un peu frileux. Ça va bien, c'est le fun. Au moins, je suis avec du monde. C'était pas très beau comme entrée. Ça n'a pas été payé. Non. J'étais sûr d'avoir un slowdown. Hey boy. Off track. Bon, reste concentré, tu pètes là. Thank you.
Avery, you've just done a 220.26. C'était pas génial. Ouais, deux erreurs en ligne qui me font perdre du temps sur Donald. Okay, Dan, the pit window is now open. Our refueling window will open after 14 minutes and closes after 30 minutes. Donc 45 minutes. C'est-à-dire une vingtaine de tours. On va tenter la chance de remplacer les pneus. On verra ce que ça donne. Je n'ai pas fait de tests de pit stop. Malgré que pour l'instant, ça tire bien. Thank you.
Bon, encourageant pour Sylvain, il me rattrape tranquillement pas vite. Au lieu de rouler tout seul, il y a un target en avant. En plus, ben, il sait que c'est un target qui est facilement faisable, donc moi. Ouais, il gagne pas mal de temps, ce freinage-là. P23. Ouais, les gros freinages, il est meilleur. Oh, ça c'était laid. En tout cas, 1,5 secondes. Je passe à la TV.
Max Martin. Okay, Dan, 10 minutes of fuel remaining. That lap was at 220.56. Ah, Sylvain est rentré au pit. We estimate 9 minutes of fuel left, 1.2 gallons per lap. We'll need to add 8.4 gallons to get to the end of the race. Ça veut dire que le fuel va descendre et on va mettre 9.8. Okay, Dan, half distance. We think about 8 minutes of fuel remaining. Quelle erreur de marde. Bon, half distance. En principe, les pneus sont supposés durer 45 minutes facile. Les courses sprint, c'est ça. Mais ça prend quand même du talent pour les conduire, ces petites voitures-là, avec des pneus qui sont usés. Je suis encore sur le remplacement des pneus. Je dandine à savoir qu'est-ce que je fais. Il faudra au moins que je change de vitesse. Martinez is leading the race. Donc, il reste 20 minutes. De toute façon, je ne course pas pour les points, fait que je vais changer mes pneus quand même. On va voir ce que ça va donner. Знову премьер.
Une petite gorgée. Incident in the chicane. Looks like it's champagne. The car in front is pitting. Pit lane speed limit is 37 miles per hour. Box in 340 meters. Okay, Dan, we estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Bon. Au pire, au moins, je l'ai vu dans le dash, low fuel. 100 meters. 50 meters. Bon, on change les pneus en plus, fait que là, on est 30e, fait qu'on va voir la débarque qu'on prend. Track's clear. Push, push, push. The leader's pitting now. Ouais, pneu froid, on va voir. On va y aller mollo. 4 nouvelles pantoufles. Ça sera certainement pas payant dans le temps. Excusez-moi. C'était très laid. Ah, tu vois, Sylvain est en arrière de moi. Puis il a pité le tour d'avant que je pite. Il est en avant de moi par 32 secondes. Fait que c'est le temps des changements de pneus. Hein? C'est là que je suis pénalisé. Pédale au pont.
peu de gazon. Was at 219.56. Philippe n'est pas un target qui va être facile à avoir. Un bon compétiteur. C'est Apex, un exit, comme dirait Crew Chief. Vas-y, François. Ouais, comme là, c'est pas le temps de prendre une gorgée de bière, là. Faut être vraiment relaxé tout seul. On prend une gorgée d'en haut. On essaye ça. Eh, que c'est pas une bonne idée. Ah ouais, Philippe. Come on, man, keep pushing. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Pense à droite, pense à droite. Oh, mauvais sorti. Il
Ah, le plaisir de courser. Sorti. Moi, je t'en dois une, mon Philippe. Je t'ai fait deux petits accrochages des dernières courses qui n'ont pas été très graves, mais qui ont été juste plates pour toi. Fait qu'on va y aller mollo. On appelle manger le vibreur. Il reste 7 minutes à la course. Pas de slowdown. Le vibreur a débalancé. Ah, si bol. C'est 20 minutes sur le... 20 minutes sur le gaz, Gabriel. Si c'est plus vite que moi, je me battrais pas. C'est sûr que ma conduite n'est pas optimum. Parce que je prends pas des tours et des tours de pratique. Je me débrouille puis je m'amuse.
Bon, un petit peu de concentration pour le reste de la course. Ah, j'ai pogné un X là-dessus. Encore deux tours faciles. All right, Dan. The next car is Savoie. Ah, ça, j'ai raté ça, cette courbe-là. Eh boy. Bon, dernier tour. 23rd place. White flag. One more to go. That was a 219.90. We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining.
D'accord, c'est vrai. J'ai perdu l'arrière. Oh! Incident Stablo, 2 minutes to go, 2 minutes. Hey, tout allait bien. Eh boy. Philippe doit être crampé ici. Good fight, Donald. Ouais, c'est un bon dernier tour, ça. Excuse-moi encore aussi, le René Cassix, le deuxième contact. Bon, ben, au moins, moi, j'ai pas été lappé. Ma faute, et Martinez, j'ai des couilles à l'intérieur. J'ai manqué mon drainage. Pas grave, Eric. Je m'en fais pas avec ça, ben. Ah, ben, écoute. Ça fait un peu chier, ça. Une arrière qui part. Hey, yes. On va regarder ça 2 minutes. On va regarder les 2 derniers tours. TV2. Charon, William, tout qu'un pays se fait en blague, puis ça vaut le coup. C'était clean. Avant d'en acheter calme. Dernier tour en arrière de Philippe. Ça faisait 3, 4, peut-être 5 tours, je le suivais. J'étais plus rapide dans les petits virages serrés. D'après moi, lui, il avait des vieux pneus. Moi, j'avais mes pneus
Les pneus neufs, ça devait aider. Au freinage aussi, j'étais capable de me rapprocher. Là, ben, le dernier tour arrivait. Je me rapprochais doucement. Je pensais pas avoir l'ambition de le dépasser nécessairement. Ça, il aurait fallu que je dive pas mal. Puis, c'est pas de quoi que j'aurais tenté là, pour scraper nos deux courses. Par contre, je mettais assez de pression. Là, je voulais mettre assez de pression à la fin pour pouvoir en profiter. Avec ses pneus, en tout cas, parce qu'il y avait quelques virages qui étaient larges. Mais j'ai spiné, Stiff. Là, c'est complètement fou. L'arrière est parti tranquillement, pas vite. Eh, boy. Bon, ah ouais, on va regarder ça autrement. Vieille Porsche. On va checker d'en haut. Chopper view. Juste pour voir. Où ça décroche. Eh! Ça décroche dans les arbres. OK, on va y aller autrement. Je connais pas toutes les caméras par cœur, alors... Bon, ça va donner une petite idée pareil. Puis là, tiens ici. Je pourrais peut-être... Si je fais ça... Puis je change les cams... Je pourrais me voir partir. Et voilà, je suis parti sur la drift. Oh boy. On va voir ça là, live avec la Robert Racing. Ouf. Et c'est parti, mon kiki. Donc, avec tout ça, je pense que j'ai perdu une position ou deux, mais c'est pas très grave. C'était fort amusant. On peut regarder peut-être le départ, voir qu'est-ce que ça donne. Là. On prend ça, mollo. Derrière Jacques Auger. Quand même, partie 44-45e. Sûr qu'on profite un peu des accidents comme ça, là, mais ça fait partie de la course. L'important, c'est que j'étais là à la fin. Oh! Eh boy, hein. Ouais, j'étais là à la fin. Puis pas mal d'un seul morceau. À part ma maudite salle. Ok, oui, on se repogne.
C'était vraiment cool. Merci d'avoir été là. On le voit pas. Just gonna take that. Or will you fucking fight back?